J'ai chaud. Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ça faisait combien de temps qu'on a... Attends, à chaque fois je vais vérifier pour voir ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de mukbang en fait. Ok, ça va, mon dernier mukbang il date déjà un mois, ça va. Vous savez que j'aime bien faire des mukbangs souvent comme ça. Déjà on mange bien, t'as vu, on se casse un peu le ventre. Et en même temps je peux vous raconter ma vie, les ragots, on peut discuter ensemble, t'as vu. Et aujourd'hui on va discuter. Et que va-t-on déguster? Aujourd'hui on va manger paradis du fruit. Je sais pas si vous avez déjà été. Moi quand j'étais petite, à chaque fois que j'allais à Paris avec ma mère, on allait voir ma tante. Je sais pas pourquoi, elle nous ramenait souvent au paradis du fruit. Et à chaque fois que j'y allais j'étais en mode c'est magnifique. Et j'y ai pas été de mes genre 8 ans à mes... Non j'abuse, ouais, de mes genre 11 ans jusqu'à jusqu'à que j'emménage à Paris. Et j'aime trop le paradis du fruit. Il y en a qui disent non mais c'est normal, c'est incroyable. Moi je sais pas pourquoi j'aime trop, genre c'est pas un partenariat hein, c'est vraiment j'aime trop. Après vous me connaissez, j'ai toujours des obsessions. Un moment c'était McDo, un moment c'était au tacos alors que de base je détestais les tacos. Un moment c'était pitaya, qui se rappelle pitaya, je prenais toujours le même plat. Et moi j'aime trop avoir des obsessions. Obsession du jour, paradis du fruit. Pour discuter, pour commérer ensemble, il faut avoir la gorge bien hydratée. Du coup j'ai pris une limonade, ouais une limonade. Et j'aime trop la limonade, c'est une dinguerie. Genre elle est glacée, en mode on dirait un granita, tu vois. C'est pas comme des glaçons mais genre on dirait un granita, j'aime trop. On dirait quand tu me ramènes de la nourriture dans les avions. Ouh, wesh. Je rattrape vite ma paille avant que Mio il la mange. Depuis il me regarde comme ça, il veut voir j'ai quoi à manger. J'ai rien à manger pour toi ici hein. Ouh. Je savais pas que c'était présenté comme ça. C'est la première fois que je prends paradis du fruit sur Uber Eats. Attendez, je vais vous montrer les plats. Ouh. J'ai pris des frites avec, il y a des sauces, avec des tempura. Ouh, aux crevettes, ils sont archi bons. Et je crois ça c'est des... Ah, je sais plus c'est quoi, c'est au feta. C'est des petits sandwichs au feta genre. Et j'ai des frites, du camembert frit. Et j'aime trop le camembert frit, genre vraiment c'est une dinguerie. Et des petits poulets. Et là il y a encore une sauce. D'ailleurs le paradis du fruit c'est halal. Et c'est pas du tout une pub hein. Je vous jure je parle vraiment parce que je kiffe. Il y en a plein à Paris des paradis du fruit. C'est sympa, tu sais, quand tu vas aller en date ou quand tu sors avec tes potes. Et il y a plein de gens qui savent pas que c'est halal. Par exemple mon mec il y avait jamais été, genre il savait pas que c'était halal, du coup il avait jamais mangé. Et je lui ai dit et maintenant il kiffe. Voilà, il y a Mimi qui veut mettre sa petite tête. Pourquoi tu veux mettre ta petite tête tout le temps? Pourquoi tu veux mettre ta petite tête tout le temps? Il est trop mignon. Bref, c'est tout, maintenant que je vous ai dit bonjour, que je vous ai présenté la graille du jour, on va pouvoir discuter. En fait à chaque fois que je commence un mukbang, je ne sais pas par où commencer. Genre de quoi on va parler? Mais je vais vous dire quoi de neuf. Je vais vous dire quoi de neuf, je vais raconter un peu quoi de neuf dans ma vie depuis le dernier mukbang là d'il y a un mois. Et voilà, on va discuter en fait. Oh, attendez, j'ai trop faim. Parce que hey, depuis je prépare la ring light, depuis je prépare la caméra, j'ai même pas mangé, ça va être froid. Incroyable. Le plat préféré de mon mec c'est les frites. Je comprends pourquoi genre. Les frites c'est bon. Moi mon plat préféré perso c'est les pâtes. Parce que les frites c'est un délice. Il y en a dans toutes les formes et tout. Après mes frites préférées c'est pas les grosses frites comme ça. J'aime trop les petites frites genre des kebabs et tout de McDo. Incroyable les mini frites là. C'est incroyable les frites. C'est son plat préféré, ok je respecte. Mais rien ne surpasse les pâtes. Et les pâtes à toutes les sauces je peux en manger du lundi au dimanche, toute ma vie. On dirait de la sauce algérienne. Alors déjà, quoi de neuf dans ma life? Ben écoutez, on est en fin août. J'ai été en vacances, en fait dans toutes les vacances, j'ai été en vacances pendant 4 jours. Alors sur 2 mois, j'ai été en vacances 4 jours. Pourquoi? Parce que, et là je vous parle sérieux, genre vraiment, faut savoir que j'ai aucune phobie. À l'époque j'avais la phobie des crevettes, les vrais savent. Quand j'étais plus jeune, j'avais la phobie des crevettes parce qu'un jour, mon oncle m'avait donné son ancien ordi. Du coup, quand j'étais petite, je passais ma vie sur l'ordi, tu vois, le soir, à lire des articles, à regarder des vidéos. Genre j'ai vraiment toujours été curieuse sur internet. Internet c'est trop bien parce que tu peux apprendre de tout, genre tu peux apprendre des trucs sur l'histoire, sur la culture, tu peux apprendre de tout. Du coup moi j'ai toujours kiffé suivre vraiment plein de trucs, je sais pas moi, suivre l'actualité des stars, regarder des petites histoires, même lire des trucs Wikipédia. Et j'ai toujours été archi curieuse sur internet depuis vraiment toute petite. J'ai toujours eu un ordi tu vois. Donc il m'avait donné un ordi et je sais pas si je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'étais tombée sur un truc. Je vais avoir genre je vivais encore avec mon père donc je devais avoir genre 8 ans. Et j'étais tombée sur une histoire qui m'avait traumatisée. Je peux pas la raconter parce que déjà c'est traumatisant, c'est dégueulasse, je suis en train de manger. Je sais qu'il y en a qui la connaissent parce que quand j'ai dit ça, j'avais déjà raconté cette anecdote et il y avait des gens qui m'avaient dit mais je vois de quoi tu parles et tout, ça me dégoûte donc voilà. Mais bref, j'avais vu un truc, genre une histoire dégueu sur l'ordi, j'avais genre 8 ans, ça m'avait dégoûté des crevettes. Du coup, pendant plusieurs années, jusqu'à récemment, ça me dégoûtait de décortiquer les crevettes. Encore maintenant, quand je décortique les crevettes, je suis en mode oh. Bref, tout ça pour dire de base, j'ai vraiment peur de rien, genre les araignées, y'a quoi comme phobie, genre la hauteur, enfin j'ai vraiment peur de rien. Par exemple, à chaque fois qu'il y a une araignée chez moi, on m'appelle. Ma tante elle voit une araignée, Maya viens voir, je la prends, je la mets dehors. Pour pas la tuer tout ça, mais bref, j'ai vraiment peur de rien sauf d'un truc, c'est de faire des papiers. Genre quand il y a des papiers à faire, que ce soit des inscriptions à remplir, dès que c'est un papier en mode un papier où c'est une inscription, un document officiel, un truc comme ça, je sais pas pourquoi j'ai la phobie, genre ça m'angoisse. Quand j'ai fait mon permis il y a quelques mois, heureusement qu'il y avait ma meilleure pote Audrey pour m'aider, elle m'a aidé à faire tous les papiers parce que je déteste les papiers, genre vraiment c'est ma phobie. Je sais pas pourquoi, genre la phobie la plus chelou du monde, il y en a qui ont peur des araignées, des serpents, moi j'ai peur des papiers. Genre un papier, ça m'effraie, genre ça m'effraie, tu sais.
Bref, pourquoi je vous disais ça? Faire des papiers, ça m'effraie. Et mon passeport français, il est plus bon, genre. Donc je dois refaire mon passeport pour partir en vacances. Et Moumou, il est trop vénère contre moi. Donc mon mec, je sors avec lui depuis que j'ai 14 ans. Si vous me suivez, vous le savez, on s'est déjà séparés, etc. Mais bon, on se fréquente depuis que j'ai 14 ans. Et du coup, quand on était petit, on disait toujours ouais, plus tard, on ira dans tel pays. Lui, quand j'étais petite, il me disait ouais, plus tard, je t'emmènerai au Maroc et tout. Et moi, je t'emmènerai ah, trop bien. Je t'emmènerai en Algérie. Et lui, il me disait non, viens, on va que au Maroc. Il disait genre, tu vois. Bref, on a toujours voulu voyager, mais je déteste les papiers. Et du coup, j'ai pas refait mon passeport. Bah, on était bloqué. Et là, je vais me pousser à faire mon passeport parce que du coup, il m'a embrouillé. Et même, j'avoue, c'est chiant. Tu vois, ce serait bien de faire un petit voyage de temps en temps, un petit truc. Mais du coup, voilà pourquoi je suis partie que 4 jours pendant les vacances parce que j'ai pas mon passeport. Donc, j'ai grave des potes à moi qui sont partis en vacances ou qui ont fait des plans. Vu que j'ai pas mon passeport, bah voilà, je ne pouvais pas suivre. J'ai quand même été 4 jours à Marseille. J'ai toujours voulu aller à Marseille depuis que je suis petite. J'ai dit ouais, je veux trop aller à Marseille, je veux trop aller à Marseille. Sauf que ma mère, ça l'a jamais attiré d'aller à Marseille. Du coup, à chaque fois, on allait en vacances dans des coins. Je vais pas dire dans des villes nulles parce qu'il y a aucune ville qui est nulle. Enfin, en vrai, si un peu. Mais il y a toujours un truc à découvrir dans les villes. Ma mère, elle voulait toujours qu'on aille dans les destinations de vacances. Genre, tu sais, les trucs reposants en mode que des trucs où il y a que des visites, il y a que des musées. Tu sais, c'est vraiment les trucs en mode. Je sais pas si vous voyez, genre les destinations de vacances où il y a pas grand chose à faire pour les jeunes en fait. J'ai jamais été dans une destination où il y avait grave des trucs pour les jeunes. Le seul truc où il y avait un peu de trucs pour les jeunes, on va dire c'était le Cap d'Agde et encore. Mais j'ai toujours voulu aller à Marseille, tous les ans je disais à ma mère, viens on va à Marseille, viens à Marseille, elle me disait non. Maintenant que je suis majeure et vaccinée, je me suis dit let's go Marseille. Donc avec ma pote Lina, donc une de mes meilleures potes, avec mon mec et du coup Moumou, il a ramené un pote à lui que je connais depuis archi longtemps. On est parti à Marseille. Enfin moi j'ai été de mon côté avec Lina et eux ils nous ont rejoints un peu après et franchement c'était grave bien. Enfin, sur le coup, Lina, elle trouvait que les vacances, elles étaient ratées. Je vais vous expliquer. Déjà, il y a le vlog qui va sortir. Je sais pas si le mukbang, il sortira avant le vlog ou si le vlog sortira avant, je sais pas, mais on a fait un vlog. Comment vous dire? Lina, elle a détesté les vacances. Là, avec du recul, elle dit non, c'est un bon souvenir et tout. Mais je vous jure, sur le coup, elle a détesté parce qu'en fait, Marseille, c'est comme Paris. Enfin, c'est pas comme Paris. Genre, les gens de Marseille, c'est pas les mêmes gens que Paris. Mais genre, c'est deux grandes villes et l'ambiance, elle est grave différente des autres villes. Genre, si vous habitez pas à Marseille, et ben votre ville, elle est sûrement pas dans la même ambiance que Marseille. Parce que Marseille, c'est grave une ambiance différente, tu vois. On va dire à Paris, les gens, tu les connais pas, en général, ils vont pas te cala. Alors qu'à Marseille, même si les gens ils te connaissent pas, ils vont plus te parler. Du coup, bah des fois, c'est mieux parce que du coup, tu fais des rencontres, les gens, ils sont plus chaleureux. Genre, ouais, à Marseille, on dit souvent que les gens, ils sont chaleureux. Parce que tu sais, ils viennent te parler, ils sont chaleureux, t'as vu. Mais, il y a quand même des gens qui se permettent justement de trop parler. Même si je kiffe la ville, on a quand même dû faire face à 2-3 parasites. J'ai rencontré certaines d'entre vous, ça m'a fait trop plaisir parce que je vous parle à chaque fois comme si on se connaissait depuis. Je vous réponds à vos messages, etc. Donc quand je vous rencontre en vrai, ça me fait toujours bizarre. Donc il y en a plusieurs avec qui j'ai discuté archi longtemps et tout. Mais il y a aussi des gens qui me connaissent, bah des YouTube ou des réseaux ou autres, et qui m'aiment pas. Mais du coup, bah pour aucune raison, genre en mode je leur ai rien fait à eux, tu vois. Et à Marseille, ça m'est déjà arrivé ailleurs qu'à Marseille, mais à Marseille, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de croiser des meufs qui m'aimaient pas, mais elles faisaient tout pour me le faire savoir. Par exemple, on est parti plusieurs fois au Vieux-Port à Marseille avec des potes, et des fois je marchais, et il y avait une meuf, elle allait faire exprès de se mettre genre en face de moi, me bousculer, et partir en mode sans dire pardon, genre pour que je l'embrouille. Ou des meufs qui allaient me regarder comme ça, genre qu'elle allait faire ça, ou. Et j'étais en mode genre trop bizarre. Il y avait des gens, c'était vraiment des cœurs, mais je vous jure, il y avait des gens qui étaient pas désagréables, genre qui m'aimaient pas, et qui voulaient grave me le faire savoir. Après, c'est pas que à Marseille, c'est dans toutes les villes, mais Marseille, on va dire, les gens, ils vont plus avoir la facilité à venir te parler que dans les autres. Et même Lina, elle a pas kiffé les vacances parce qu'il lui est arrivé une dinguerie. Moi je trouve que c'est une dinguerie. En gros, je devais d'ailleurs vous raconter ça avec Lina pendant le vlog, mais le vlog il était trop long, du coup bah je le raconte là. On était sur le Vieux-Port, et Vieux-Port il fait chaud, et Marseille il fait tellement chaud. Ça aussi c'est un truc qui fait que Marseille j'ai trouvé ça trop bien, mais le seul truc qui était relou c'est qu'il faisait archi chaud. Genre vraiment, des fois c'était en mode tu pouvais même pas sortir. Bref, un soir, Lina, des potes à moi de Marseille et moi, on est parti sur le Vieux-Port à Marseille. Mon mec il était déjà rentré, et bref, on se balade sur le Vieux-Port à Marseille, et il y avait un stand de glace, et franchement ça avait l'air succulent. J'avais pas faim, mais j'aurais dû me taper le ventre parce que ça avait l'air vraiment un stand de glace. Incroyable. Rien que dit, je suis en train de manger mais ça me redonne faim carrément. Bref, Lina, elle kiffe les glaces, elle se dit bah je vais prendre une glace. Elle prend une glace, tout ça. Rien de fou. On se balade au Vieux-Port. Il y a un gars, je sais pas pourquoi, il fait hé, toi là, toi. Moi je croyais qu'il me parlait à moi. Je me tourne, je lui dis oui. Il me dit non, ta copine, en parlant à Lina. Et il dit ouais, t'es grosse, pose ta glace, qu'est-ce que tu fais à manger une glace alors que t'es grosse et tout. Et genre il fait c'était une dinguerie. Quand je vous dis on était choqués. Lina, elle s'est embrouillée avec lui. Moi en fait j'ai pas répondu. J'ai continué d'avancer. Genre venez on y va. Parce que je vais pas critiquer, mais le genre de mec que c'était, ça sert à rien de s'embrouiller avec lui. C'était
Même une poubelle ça valait plus que lui tu vois. Donc je me suis dit ça sert à rien de s'embrouiller avec lui. On est parti, je suis partie tirer de l'argent parce qu'en fait à Marseille, dans la rue, genre à 23h minuit et tout, il y a des meufs qui tressent les cheveux, tu vois, genre qui font plein de trucs de tresse. Je mettrai aussi à l'écran, elles proposent plein de styles de coiffure. Même si tu veux juste de tresses basiques, tu veux, elles peuvent te faire tout, tu vois. D'ailleurs, il y a des lives sur TikTok que je vois des fois dans ma For You page qui ont genre jusqu'à 60 000 vues. Et c'est des meufs à Marseille qui tressent les cheveux le soir. Et donc il y a des meufs, elles te proposent ça le soir à Marseille sur le vieux port. Donc moi je suis partie tirer de l'argent pour que Lina puisse se faire deux grosses tresses là. Je vous mettrai aussi à l'écran si je retrouve parce que je trouve ça trop beau. Même moi je voulais en faire mais j'avais les cheveux, ils étaient plus sales que... ils étaient trop sales. Du coup, bah je me suis dit, vu que je peux pas le faire, Lina fais-le, c'est trop cool et tout. Je suis partie tirer de l'argent et logique, Lina, elle était grave énervée. Elle en rigolait un peu, mais c'est quand même une dinguerie, donc elle était grave énervée. On a appelé Mourad, on l'a discuté, on lui a dit ouais, t'inquiète. Il y a des cons partout et vas-y, on s'en fout. Sauf que elle, elle était trop vénère. Elle voulait vraiment lui... Voilà, t'as capté. Donc Lina, elle nous dit ouais, faut qu'on recroise le mec. Moi, je dis mais non, on s'en fout. Elle me dit si, je veux le prendre en photo. Je lui dis écoute, si tu veux le prendre en photo pour l'afficher, en vrai, affiche-le, tu vois, c'est un connard, affiche-le. On revient, il est encore là, elle le prend en vidéo. Mais c'est pas, moi, je pensais qu'elle allait prendre en photo et vas-y, on y va. Elle vient en face de lui, elle fait ça. Et genre elle le provoque pour qu'il parle. Alors là tu dis rien. Et elle le filme. Et lui nous regarde comme ça et après il est parti. Mais du coup voilà, une vraie raclure. Ça m'a saoulé qu'elle garde ça comme image de Marseille. Parce qu'en vrai Marseille, même si bah y a des parasites dans toutes les villes, mais c'est une super ville, moi je kiffe Marseille. Et Lina elle elle m'a dit ouais j'ai plus envie de venir. Et du coup bah ça m'a grave saoulé juste à cause d'un détail. Elle m'a dit ouais ça m'a gâché mes vacances et tout. Donc bref, j'espère que la vie lui rendra ce qu'il nous a fait. Parce que c'est vraiment un con. Mais voilà. Et ça m'a encore plus touchée parce que bah je vous en parle souvent, mais depuis que je suis petite, j'ai des troubles alimentaires. Je suis passée par l'anorexie, je suis passée par les périodes où je mangeais mes sentiments, enfin je suis passée par plusieurs périodes et encore aujourd'hui, même si ben, je suis plus anorexique, je vais mieux, j'ai une meilleure relation avec la nourriture, il y a encore des jours où c'est compliqué pour moi et il y a encore des jours où ben, j'ai du mal à me sortir de ça, tu vois, je vous le dis, je suis une bad bitch, tout ça, mais voilà, il y a quand même des jours où c'est compliqué et du coup ça m'a fait chier que ce mec là il se permette ça parce que je sais que ce genre de choses c'est ce qui fait qu'on est malade. Moi je sais que si je suis tombée malade et si aujourd'hui je souffre à cause de la nourriture, enfin je vais mieux, mais si j'ai autant souffert à cause de la nourriture, c'est à cause de mes tantes qui, quand j'étais petite, se permettaient de faire une remarque, ben, exactement le même genre de remarque. Genre quand je mange un truc, mais t'es déjà gros, ça va. C'est exactement à cause de ce genre de choses que je suis tombée grave malade. Et les commentaires aussi à l'école, ça pareil, ça a contribué à ça. Les blagues, on m'appelait Bouboule, tout ça, ça a contribué à ça. Et du coup, bah, moi tous les jours, mes potes et même vous, j'essaye de faire en sorte que vous alliez bien. Et j'ai tellement souffert des troubles alimentaires, j'ai tellement souffert de plein d'autres choses, tu vois, que j'essaye de faire en sorte que mes potes, ils aillent bien. Je leur rappelle tous les jours qu'ils sont beaux. Mon mec, je lui dis 30 000 fois par jour, t'es trop beau. En plus, là, il a bronzé, il est trop beau. Et du coup, ça m'a fait chier parce que je me suis dit, attends, moi j'essaye de remonter ma pote, j'essaye de lui montrer que tous les jours c'est une bad bitch, qu'il n'y a aucun gars qui la mérite. Toi, t'es là, tu viens dans la rue, tu te permets de faire ce commentaire là et tu gâches tout. Donc ça m'a saoulé, mais aujourd'hui elle va mieux, tu vois, elle s'en est remise. Elle a compris que c'était un con, qu'il fallait pas faire attention. Mais du coup, ouais, voilà, petite anecdote qui m'a grave saoulée. En parlant de petites anecdotes qui m'ont grave saoulée. Oh my god! Il y a quelques jours j'étais avec Moumou. Et Moumou, là il faut le contexte. Moumou, c'est pas comme moi. Moi je poste plein de photos sur Insta, plein de reels, plein de TikTok. J'aime trop faire du contenu, toujours plein d'idées dans ma tête. Encore hier, je mettrai une photo à l'écran là. Je me suis maquillée comme si je m'étais battue pour faire des blagues à mes potes. J'aime trop tout ça, tu vois, créer des trucs. Moumou lui c'est pas trop son truc. Lui il aime bien regarder ce que je fais, à chaque fois il commente. Il me donne des idées mais... Voilà, il fait des TikTok de temps en temps, mais tous ces TikTok, presque des TikTok avec moi, ou des TikTok sur moi, enfin, c'est mon chéri quoi, c'est mon cœur. Bref, tout ça pour vous dire que tout ce qu'il poste sur les réseaux, bah soit c'est des TikTok avec moi, et sur Insta il poste rien, tu vois, genre il poste pas de photos, il fait pas de contenu. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ça peut pas être une meuf qui l'a croisé je sais pas où et qui savait pas qu'il était en couple. Ça veut dire que la personne qui lui a envoyé, à 99%, elle savait qu'il était en couple, poteau. Tu l'as vu sur TikTok, tu l'as vu sur Insta, bref. Je sais pas, je suis posée avec Moumou. Je vois, il reçoit une demande de message sur Insta. Je clique et c'est une meuf qui lui envoie un nude. Une meuf comme vous et moi. Une meuf, elle a un profil normal. C'est pas un fake, elle lui envoie un nude normal. Ça m'a même pas énervée. Enfin, si, ça m'a énervée dans le sens où je me dis, t'envoies pas de nude à quelqu'un sans son consentement. C'est mon mec, c'est pas ton mec. Vous parlez pas, tu envoies pas de nudes comme ça. C'est une agression en fait. Tu montes pas tu montes pas ton corps comme ça à quelqu'un dans la rue. Donc ça m'a saoulée. Ça m'a plus saoulée dans ce sens-là. Mais après, je me suis dit, mais la meuf, c'est la psychiatrie. Genre, elle s'est dit, ouais, elle allait lui envoyer un nude sans son consentement comme ça sur Insta. Il allait se dire, waouh, la bête de meuf. J'ai envie de lui parler, je quitte tout pour elle, genre n'importe quoi. Donc bref, il y a des meufs, elles voient les mecs d'influenceuses sur internet et elles leur envoient des nudes. Et je vous jure que c'est arrivé à plein de meufs. C'est arrivé je crois à Poupette, si j'ai pas de bêtises, mais je sais que c'est arrivé à Yanissa. Genre quand elle a eu son bébé, il me semble, hein, si j'ai pas de bêtises, on m'avait dit que quand elle avait eu son premier bébé, il y a des meufs qui envoyaient à Domi, donc à son mec, des nudes pour le féliciter. Genre c'est quelle dinguerie ça. C'est quelle dinguerie. Du coup, j'étais plus en mode, elle a sûrement un problème. Pour envoyer ce genre de photos à un mec qui la cala pas. Mais bref, je voulais quand même vous en parler pour vous dire qu'il y a des meufs qui sont folles. Voilà, c'est tout. Sinon quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Ah
J'ai posté un vlog il y a genre 2-3 semaines je crois, où j'ai fait une interview pour Oh My Mag. C'est ma première interview de ma vie, c'était trop bien. Je savais pas trop sur quoi j'allais être interviewée, mais j'ai fait plusieurs petits trucs, on a fait des jeux et tout. Et au bout d'un moment, la meuf qui faisait l'interview, donc ma pote, elle m'a dit ouais, tu peux nous raconter ta relation avec la nourriture, parce que t'en parles souvent sur les réseaux. Et du coup j'étais un peu en mode qu'est-ce que je dis? Ça m'a fait bizarre parce que quand elle m'a posé la question sur mes troubles alimentaires, j'étais pas préparée à ça. Du coup, bah, j'ai parlé naturellement, mais j'étais un peu pas gênée, mais j'étais en mode je m'attendais pas à ça, tu vois. Genre, je m'attendais pas à partager ça à ce moment-là. Et c'est la première fois que je le raconte ailleurs que sur ma chaîne, parce que moi, tu vois, je suis quelqu'un qui parle pas trop de sa santé mentale, parce que moi, quand j'étais petite, on m'a pas trop appris à montrer mes sentiments, tu vois. Genre, chez moi, on pleurait pas trop, tout ça. Du coup, bah, montrer mes sentiments, ça reste encore compliqué. Parler de ma santé mentale, des fois c'est... Je suis pas habituée. Et avec ma chaîne, ça m'a grave permis de m'ouvrir. J'ai raconté des trucs que j'aurais même pas pensé à raconter, tu vois, quand j'étais petite. Et bref, quand elle m'a posé la question, ça m'a quand même... J'étais quand même en mode... Je m'attendais pas à ça. Au final, j'ai fait l'interview, j'ai parlé de mes troubles alimentaires, bah, j'ai raconté vraiment naturellement mon histoire. J'ai donné mes conseils, tout ça. Et l'interview, elle est sortie, je la mettrai à l'écran et je la mettrai aussi en description. Je suis archi contente parce que ça a archi bien marché, surtout sur TikTok. J'ai eu plein de commentaires et même de messages de gens qui me remerciaient par rapport à la vidéo, ou qui me racontaient leurs histoires, ou qui me comprenaient. Et j'étais vraiment en mode genre... J'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, maman, je peux pas, j'ai pas dit je peux mourir en paix, mais je lui ai dit, maman, ma vie a vraiment servi à quelque chose aujourd'hui. Elle m'a dit pourquoi. J'ai dit, mais maman, je lui ai envoyé la vidéo de l'interview et je lui ai dit, regarde les commentaires, les messages, ça a peut-être aidé quelques personnes et tout. Parce que à l'époque où moi j'en souffrais, on en parlait pas autant sur les réseaux, tu vois, il y avait pas autant d'interviews, autant de trucs, il y avait pas autant de vidéos là-dessus, il y avait pas autant d'articles, il y avait pas autant d'aide. Et j'aurais kiffé, tu vois, voir mes youtubeurs préférés, mes chanteuses préférées parler de ça ouvertement, tu vois. Enfin, le fait que ça ait servi à des gens, mais ça m'a fait du bien, je me suis dit mon existence elle a servi à quelque chose aujourd'hui. Donc voilà pour les gossips du jour. Il y a des gossips un peu négatifs comme les bails de nudes et tout qui m'ont un peu énervé, le gars de Marseille. Mais il y a des gossips dans ma vie un peu, voilà, qui donnent le smile comme on dit, ça m'a donné grave le smile. J'ai commandé la plus grosse boîte, au final je vous jure je galère à manger depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'ai pas faim. Alors que j'avais pas de faim. Ah là là, je vous jure j'aime trop cette sauce. Ah, on dirait la sauce algérienne. En parlant de sauce algérienne, vous savez que j'ai la phobie des papiers, faut que je fasse mon passeport, mais j'ai mon passeport algérien qui est valide parce que je l'ai refait. Enfin, ma mère m'a emmené le refaire récemment. J'aimerais trop retourner en Algérie avec mes grands-parents là cette année. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que vous allez être nombreux à me dire que vous aussi, parce qu'à chaque fois que j'en parle à mes potes, ils me disent mais moi aussi, j'ai envie d'aller au bled, tu vois, j'ai envie de retourner en Algérie. Ça fait longtemps que j'ai pas été, j'ai plein de gens à voir. D'habitude, quand je vais en Algérie, enfin, quand j'allais en Algérie, quand j'étais plus jeune, c'était pour voir mon arrière-grand-mère. Là, ça va faire bizarre sans elle, mais de voir ma famille du bled et tout, ça me fait trop plaisir. Donc j'espère y aller là cette année. Et j'aimerais trop en fait visiter Algérie en mode vraiment visiter les plages, l'architecture, les restos. Et quand j'y vais avec ma famille, ben on voyage pas trop, tu vois, on reste plus avec la famille ou à la maison. Je vais voir, j'aimerais trop y aller pour visiter, la vérité. Vraiment 2022, là si j'arrive à aller en Algérie vers septembre, fin septembre, début octobre, ce serait trop bien. Je ferais plein de contenu, plein de vidéos, ce serait grave bien un vlog en Algérie. Je pense que ce serait mon meilleur vlog. Sinon, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'aime trop faire des transitions sur TikTok. Du coup, à chaque fois que je me maquille, je me filme avant et après. Je vais vous montrer, j'ai fait 2-3 trucs que j'aime trop. Attendez. Mon tel, il va s'éteindre, j'ai plus de batterie. Déjà, regardez, ça, j'ai d'être ça. Elle m'a dit, je t'aime. Je lui ai dit, ferme ta gueule. Ah, j'ai pas d'être la transition là. Attendez, je vous en montre une autre que j'aime bien. Celle-là, celle avec les mouchoirs. J'aime. Bref, même si je suis pas trop partie en vacances cet été, ça m'a permis de rester créative. J'ai fait plein de lives, on a joué aux jeux vidéo, j'ai fait du dessin, j'ai testé plein de make-up, j'ai fait des montages que je fais pas d'habitude. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs grave cool. Donc même si je suis pas trop partie, j'ai passé des archi bonnes vacances. J'attends que toi tu me racontes tes vacances en fait. Raconte-moi tes vacances. Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Une anecdote pour moi. Dis-moi tout en commentaire, comme ça ça me permet de discuter avec vous et de vous connaître un peu plus. Like la vidéo si tu veux plus de mukbang. Et j'ai fait l'outro grave smooth là, en mode on est en train de parler. Et là vu que j'ai bientôt fini de manger, franchement j'ai plus faim. Et vu que franchement j'ai déjà beaucoup parlé, hein, j'ai beaucoup débité, surtout que je parle vite, là il y a plein d'informations. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'aurais kiffé parler avec vous comme d'hab, même si vous pouvez pas me répondre, vous pouvez me répondre en commentaire comme ça on discute. À chaque fois je réponds. Mais voilà, ça m'aura fait du bien de parler avec vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez plus de mukbang, dites-le moi en commentaire. Je pourrais en faire plus souvent parce que hey, toutes les semaines j'ai des trucs à raconter. Ma vie c'est un film, tous les jours un truc. Donc si vous voulez plus de mukbang, vous dites en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne, mais la petite cloche pour ne rien louper. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tu peux aussi me suivre sur TikTok, Insta, Snap, tout ça pour rester en contact avec moi, Twitch aussi. Je fais souvent des lives comme ça, bah tu peux me voir quand je pose pas de vidéo et je te fais des gros bisous.